Aloha. Aujourd'hui, je te retrouve pour la recette de œufs fondants au chocolat. Celui-là, voilà, tu vois, il est hyper fondant, encore juste chaud. Du coup, c'est nickel. J'espère que la recette, elle va te plaire. Je te laisse avec la suite. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Et puis, je te dis à tout à l'heure. Avant de commencer chaque préparation, tu vas venir préchauffer ton four. Du coup, là, aujourd'hui, on va venir préchauffer le four à 170 degrés en chaleur tournante. On va venir peser son chocolat noir. Tu vas venir peser aussi ton chocolat au lait. Et tu vas venir couper grossièrement le tout. Donc pourquoi couper? C'est que ça va t'aider en fait à ce que ta préparation elle fonde plus vite. Après, tu vas tout mettre dans un bol avec ton beurre. Tu peux mettre du beurre salé aussi, moi j'ai choisi du beurre normal aujourd'hui. Et moi j'ai mis tout ça au micro-ondes pendant à peu près 1 minute 30. Pendant que ton chocolat et ton beurre ils fondent au micro-ondes, tu vas venir fouetter tes œufs et ton sucre. Donc moi j'ai fait un mélange aussi ici de deux sucres, donc il y en a un c'est un sucre pur canne et l'autre c'est un sucre blanc raffiné de betterave. Tu vas venir blanchir tes jaunes du coup avec ton sucre jusqu'à ce que le mélange il devienne mousseux. Donc tu vas voir il y a des petites bulles qui commencent à apparaître, à ce moment là c'est nickel, tu sais que ton sucre il est bien incorporé avec tes œufs. Quand tu as blanchi tes jaunes avec ton sucre, tu vas venir rajouter la farine tamisée. Pourquoi est-ce que je tamise la farine? C'est parce que du coup ça va donner plus de légèreté à tes gâteaux, ils vont devenir plus aérés. Là, le chocolat, il est fondu avec le beurre, donc tu viens mélanger rapidement jusqu'à ce qu'il y ait une texture assez onctueuse, en fait, avec le chocolat et le beurre. Et puis, tu vas venir mélanger les deux préparations. Je suis venue mettre le chocolat dans le mélange sucre, œuf et farine. Je suis venue mélanger le tout assez rapidement. Donc après tu vas prendre un moule que tu vas beurrer et fariner. Donc moi ici j'ai pris un spray déjà tout prêt en fait d'huile de colza que tu peux trouver dans le commerce facilement. J'ai mis ma préparation au chocolat dans mon moule et puis je suis venue enfourner ça pendant 17 minutes à 170 degrés.